Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc commencer notre spectacle de ce soir, composé en deux parties. La première partie sera assurée par la troupe de théâtre de chant, de danse et de musique folklorique de Villepin. Et la deuxième partie aura lieu un défilé de mode de tunique traditionnelle et de mode contemporaine du Vietnam. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, le spectacle commence avec le concert de l'orchestre Lưu Thủy Kim Tiên. C'est une ouverture typique de la musique de la cour royale de Huế qui veut exprimer les souhaits de prospérité, de bonheur et d'harmonie de la nature. Mesdames et messieurs, voici la danse intitulée « Les fleurs rouges de la forêt » de l'ethnie Pathen. C'est une danse qui présente la vie des jeunes filles de Pathen qui vivent dans l'extrême nord du Vietnam. Leurs costumes, bien colorés en brocatelle, sont confectionnés manuellement. Thank you.
Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter un morceau de flûte en solo de l'artiste Juan Rio, représentant une série de musiques des ethnies minoritaires. Et maintenant, un groupe de danseuses va maintenant vous présenter la danse Le Printemps. Les femmes de l'ethnie Thaï, dans le nord-ouest du Vietnam, gardent bien leurs traditions à travers leurs vêtements et leurs coiffures. Et dansent autour du feu de bois avec une jarre d'alcool et des pailles.
mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous présenter un instrument traditionnel du Vietnam, le monocorde, Dan Bao en vietnamien. Voici donc un solo de monocorde représenté par Bui Xuan à travers le morceau Chong Kong, qui est une chanson populaire du nord du Vietnam. Un chant populaire de l'ethnie Chan, très vivante et sentimentale, et parle de l'amour de Nurissa. Le
Mesdames et messieurs, nous vous présentons un solo de Dan Nguyen, un instrument traditionnel vietnamien. C'est un luth en forme de lune. Mesdames et messieurs, voici Cam Suc Quoi Ru, interprété par L'An. Thank you.
vie spirituelle de la population, c'est le culte de la mère sacrée, la mère de l'univers. En effet, dans l'esprit des Viet, la mère sacrée est représentée par l'univers et la nature qui ont été féminisées. Pour communiquer avec cette divinité, les Viet antiques ont inventé une forme de chamanisme originale, le Lendang, que les spécialistes qualifient de musée vivant de la culture vietnamienne. Lendang est un rite au cours duquel certains des génies investissent le corps des chamans. À ce moment-là, ils ne sont plus eux-mêmes, mais sont devenus un habit que revêtent les génies. Dans une séance de Lendang complète, les génies du culte de mer investissent le corps des chamans 36 fois en tout. Le numéro que vous allez voir, nommé Hou Satou, représente l'une de ces 36 fois dans laquelle les génies investissent le corps des chamans. Thank you.
présenter un autre instrument traditionnel du Vietnam, le drum, très populaire auprès des groupes ethniques des provinces aux plateaux du centre Tây Nguyên. Le drum est un instrument de musique qui ressemble aux xylophones. Il comprend plusieurs tubes parallèles en bambou. Chaque tube est scellé à une extrémité et coupé en billets à l'autre bout. Le drum produit des sons lorsque les musiciens frappent sur les tubes avec des baguettes de bambou. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Hong Thanh avec son solo de drum.